La campagne Guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle a démarré en septembre 2017 avec l'objectif de réunir en 4 ans 10 millions d'euros qui seraient totalement investis dans la recherche contre le cancer de l'enfant. Cette campagne avait pour image le visage d'un petit garçon, Noé, que vous avez sans doute vu sur la façade de la tour Montparnasse ou repris par ailleurs dans la presse. Noé est mon fils. Il est parti en septembre 2014 d'un gliome infiltrant du tronc cérébral, une terrible tumeur du cerveau. Pendant les 3 ans de son combat, à Gustave Roussy, médecins et chercheurs ont tenté de le sauver par tous moyens, comme ils le font avec chaque enfant. Et la concentration de recherche dont il a bénéficié dans cet établissement lui ont permis de vivre plus longtemps. Les programmes de recherche, qui passent par des investissements matériels, par des recrutements, ont démarré avec près d'un an d'avance grâce à la rapidité de la levée de fonds. Grâce à vous, nous allons pouvoir continuer d'avancer, faire toujours mieux pour guérir plus d'enfants avec la meilleure qualité de vie possible. Merci à tous. Merci pour votre aide. Nous y arriverons tous ensemble.